On est méchant, fais pas le chant, t'as mochi. Sors ton iPhone, sinon tu drailles une manchette, c'est tout pour les sommes. Des terres, j'ai des gars qui ont plusieurs signes. Je traîne qu'avec des fous, façon toi-même, tu sais. Anti-vice, donc venez pas nous sucer. Y'a que mes frères qui seront contents de mon succès. Y'a que mes frères qui seront contents de mon succès. Une fois que t'es sur la bonne voie, beaucoup sont suspects. Nous, on n'est pas connus, mais tout le monde nous connaît. C'est fait. À cause des têtes qu'on a connues. Bonjour, c'est Rap FR Info. Aujourd'hui, on est en partenariat avec Diaspanet. On est en direct du 93, plus précisément à Sevran. On va aller interviewer CLB. Allez, venez, suivez-moi. Ça va, et toi? Tranquille. Tu vas nous présenter un peu ton quartier et tout ça? Ouais, pas de soucis. Hein. Déjà, là, on va commencer là. Le bâtiment où j'ai fait mon premier clip Insta. Alors, moi, c'est CLB 93. On est là, totalement dans ma cité et tout. 19 avenue Yuri Gagarine. Là, je vais vous présenter ma cité et tout. Un peu là, on traîne. Là où on joue au foot de temps en temps. Allons-y. Là, c'est le bâtiment 19, carrément. C'est où on traîne. C'est ici, ma gueule, le 19. Le bâtiment. Totalement. Là, on va descendre. Voilà. Je vais vous montrer où ça joue au foot. Ils le connaissent tous, ce bâtiment, le 19. Et sinon, toi, ça fait combien de temps que tu rappes? Je rappe depuis longtemps, mais ça doit faire 2 ans maintenant que toute ma cité sait que je rappe. En gros, je rappais tout seul et maintenant tout le monde sait et tout. Et ça vient d'où ce nom, CLB93? CLB, c'est des lettres de mon prénom. C'est des lettres de mon prénom et du coup, j'ai pris le C, L et le B. Parce qu'en vrai, je m'appelle Caleb. Donc là, je vous ramène. Là, on joue au foot, mais moi, je suis pas un footé, moi. Totalement. Lui, c'est un footé, lui. Il est très fort. Là, on traîne là quand il fait beau, on fait des petits barbecues. Justement, ça se passe comment ici, le confinement? Ah, le confinement, il n'y a pas de confinement, carrément. Ça n'existe pas, carrément. Non, il n'y a pas de confinement ici. On est tous dehors et tout. Tous. Sinon, toi, dans tes textes, tu essayes de faire passer quel message? Ce que je vois, beaucoup ce que je vois. Après, j'approfondis pas encore ce que je vis. J'approfondis pas vraiment encore dans ce que je vis. J'ai envie de le mettre quand je ferai beaucoup plus. Je vais attirer beaucoup plus de public et tout. Mais beaucoup ce que je vois en tout cas, ce que je vois, ce que mes potes y vivent et tout, tu vois, à force de traîner avec eux et tout, ça veut dire que je raconte ce qu'ils n'arrivent pas à raconter, tu vois. Et justement, il y a des personnes qui t'ont poussé à te lancer? Ma cité, toute ma cité, je soutiens toute ma cité. Ma cité, tous ceux-là, ils m'ont poussé à me lancer, tout ce qu'on a vu là-bas, tout ce qu'on a vu et tout. Dès le début, ils m'ont dit, vas-y, lance-toi et tout. Et moi, j'étais un peu renfermé encore, j'étais timide et tout. Je voulais pas que les gens ils sachent que je rappais et tout. Mais après, ça s'est su, donc. On a fait, pour l'instant, ça va, on se débrouille. What's ça passe? Tu vois ça, là? C'est tous les jours comme ça, ici. Tous les jours comme ça. Le 17, faut que le 17, ma gueule. Sinon, toi, pourquoi on devrait écouter ta musique? Moi? Pourquoi on devrait écouter ma musique? Après, ça va. Pourquoi on devrait écouter ma musique? Ma musique, on devrait l'écouter, pourquoi? Parce que je transmets des messages, hein. Je transmets des messages. Je suis un peu polyvalent, je peux aller sur tout. Comme je peux rapper la rue, je peux rapper plein de choses et tout. Tu vois? Voilà pourquoi les gens devraient écouter ma musique. Après, j'ai pas encore approfondi sur ce que je peux faire et tout. Mais ils vont voir dans tous les cas. Dans tous les cas, ils vont voir et tout. Je vais proposer plein de choses en tout cas. Plein de styles musicaux, plein de thèmes. Il y a plein de choses que je vais faire en tout cas. Et toi, t'as toujours grandi ici? Non. Si t'es ici. Non, j'ai pas grandi ici. Je suis venu à l'âge de. Je suis venu à l'âge de 14 ans. Je suis venu à l'âge de 14 ans, mais de base, je suis né au bled. Voilà. Ici, on est où dans ton quartier? Là, on va à la Rose. Là, on est totalement. Là, c'est le début de la Rose, là, quand même. La Roseraie. Ouais. C'est ici aussi. Ici, comme là-bas, c'est pareil, on est tous ensemble. Toi, c'est quoi un peu ton style de musique? Style de musique, ce que j'écoute ou ce que je fais? Les deux. Moi, j'écoute du tout. Comment j'écoute du tout? J'écoute vraiment tout. Genre, dès qu'il y a un truc qui me plaît, j'écoute. J'écoute vraiment tout. Après, ce que je fais aussi, je fais tout. Franchement, je fais tout. Après, je me base pas vraiment sur un style, tu vois. Je me base pas vraiment sur un style. Je suis plutôt, quand j'écoute une prod, que ça soit de la drill, de la trap, tout ce que je vais ramasser comme prod. Si ça me donne de l'inspi, j'écris dessus. Je veux comme ça. J'ai pas de choix, pas de préférence en mode je dois faire de la drill ou de la trappe, tu vois un peu. Je suis plutôt, j'écoute une prod. Direct, j'écris. Là, on est totalement arrivé à la Rose, là. Là, on a la Rose. Ici.
Souvent on est là aussi, si tu ne nous vois pas là-bas, ça veut dire qu'on est ici. Et sinon ici dans ton quartier, il y a d'autres rappeurs? Ouais, il y a d'autres rappeurs. Lui, il arrive bientôt déjà. Il arrive bientôt, Enzo. Ah, moi j'arrive bientôt là. Il arrive bientôt, il y a Zerko, il y a Jimmy, il y a Pico. Non, dans le bat, là c'est le bâtiment. Quand on n'est pas là-bas, souvent on est ici carrément. La Rose. Ça veut dire si vous ne nous voyez pas là-bas, c'est ici qu'il faut venir nous chercher. Totalement là. Après là, il y a la gare, mais elle est en travaux. La gare, elle est en travaux. Sinon, on est là. Voilà, ça c'est carrément masté. Passer les barrières là, on voit la gare se vendre beau d'autres là carrément qui donne direct sur la gare. Sinon, on est là, c'est ça. Et sinon, quand tu étais vraiment plus jeune, c'est quoi le son qui t'a marqué? Quand j'étais jeune, le son qui m'a marqué. Après, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup du rap, genre américain et tout, tu vois un peu? Genre maintenant, j'écoute plus. Mais à l'ancienne, j'écoutais beaucoup de rap américain. Beaucoup de rap américain. Genre, c'était quoi à l'époque du R&B? Je sais pas si tu vois, c'est quoi? Ouais. C'était beaucoup plus époque R&B et tout. Et maintenant, le rap des Américains de maintenant, genre, vas-y, ça me plaît plus comme à l'ancienne. Du coup, j'écoute beaucoup plus de rap de l'ancienne. Et c'est ce genre de son qui m'ont marqué et tout. Parce que j'étais entouré d'anciens et tout. Ça veut dire, ils me faisaient kiffer. Après, j'ai grandi dans ça carrément. Il y a des sons congolais aussi. Comme je te dis, j'écoute tout vraiment. Tout. Et sinon, là, t'as des projets qui arrivent, des clips? Ouais, des clips. Carrément. Là, j'ai une série de freestyle sur Insta. On est encore au troisième freestyle. Et là, on va balancer les deux derniers qui restent. Après, on va aller sur YouTube. Premier clip YouTube. Ça arrive lourd, en tout cas. Le premier clip YouTube, c'est quelque chose. J'en dirai pas plus. Z29327, c'est son Insta, allez vous abonner, voilà, il va balancer une série freestyle bientôt. C'est nous. Ça arrive lourd vraiment lui aussi, voilà. Faut rester vraiment concentré. À l'ancienne, on était là, nous tous entraînés là aussi. Dans des box et tout. Et il s'est passé des trucs noirs ici. Hein. Trop noirs. Trop. Après, ils ont fermé, ils ont mis de la sécurité carrément. Voilà, ils ont même mis des gardes. Dis-toi, des gardes devant la porte d'un garage. Où t'as vu ça? C'est baisé ou pas? Regarde comment ils l'ont fermé. T'as vu ce garage là? Ils ont blindé. Où il y avait la porte là, où il y a la porte bleue là? Là. Pas celle-là, hein. Celle-là, on s'en fout. Ici, là. C'était là, carrément. Ici, c'est passé des trucs de ouf. Des vrais voilà. Trucs. Des réunions, tout. C'était là. On a traîné ici, dans le bâtiment là-bas aussi. Regarde la sécurité. Filme son dos, voilà. Tout. Regarde, l'entrée du garage que je te disais. Regarde la sortie, comment ils l'ont fermé. Instagram Zerko270, allez vous abonner, voilà, ça arrive lourd fort. Lui, il s'est déjà présenté, lui aussi. Et après, il arrive lourd. Ça, c'est le reste de la cahier. Ça, c'est toute la sté. Ouais, tous les cas, on était déjà là même. C'est quoi ton mot de la fin? Le mot de la fin, c'est ça arrive lourd, très 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 lourd, très très lourd. Et voilà, on a ce vent et tout. On arrive lourd, c'est ici, c'est chez nous. Allez vous abonner aussi. Parce que ce qui va arriver, ça sera vraiment trop méchant. Pour les sommes, des terres, j'ai des gars qui ont plusieurs signes. Je traîne qu'avec des fous, façon toi-même.